À présent, une idée de cadeau parmi d'autres pour la fête des pères, la famille selon Jerry Alone. C'est la nouvelle BD de l'auteur lorrain Thierry Martin chez Fluide Glacial. Elle vient d'arriver en librairie. Jerry Alone, c'est qui? Le tireur le plus rapide de l'Ouest, à la fois dessinateur, père de famille et cow-boy. Reportage signé Malika Boudiba, Olivier Bouillon. Jerry Alone. Un nouveau personnage fait son entrée dans la BD. Cela faisait plus de 10 ans qu'il dormait dans les cartons de Thierry Martin. Il se réveille chez Fluide Glacial et il détonne. L'étoffe d'un anti-héros, auteur, papa et cow-boy. Alors Jerry Alone, c'est un personnage de bande dessinée que j'ai imaginé le jour où je suis devenu papa. Alors c'est pas un loser, je dirais plus que c'est... Enfin moi j'ai une petite faiblesse pour les bras cassés. C'est quelqu'un qui veut faire bien et qui, par des concours de circonstances, souvent passe un peu à côté. Mais c'est un personnage bienveillant. Enfin, c'est important en fait pour moi. C'est pas quelqu'un qui en fait veut mal faire les choses, mais il veut bien les faire. Mais bon, avec des fois de la réussite quand même un petit peu. Jerry Alone dessine et voit sa vie familiale faire irruption dans ses histoires. La paternité est moquée et si le papa en prend pour son grade, les enfants et la maman aussi. Quitte à aller dans l'absurde, autant les complètement. Et comme il s'idéalise lui, d'une certaine façon, sa femme il l'idéalise aussi encore plus. Et donc il imagine forcément Wonder Woman. Et là, en bande dessinée, j'avoue que visuellement, des fois ça met des situations où moi, je ris tout seul. Jerry Alone. Je ris tout seul. Donc voilà. C'est ça en fait qui m'amuse beaucoup aussi dans ce genre-là en bande dessinée, c'est de créer des situations visuelles qui sont des fois totalement burlesques et absurdes. Et ce genre de situation où on met un cow-boy à côté de Wonder Woman dans une famille, je me dis ça n'a pas de sens. Et quelque part, j'essaie de mettre un sens en fait à travers ça. Thierry Martin a aussi dessiné pendant la pandémie, abreuvant son personnage, lui-même auteur, de toutes les bizarreries liées à cette période. Il y a effectivement ce sentiment-là qu'on sentait vraiment de personnes qui étaient souvent seules, qui n'osaient plus sortir. Et puis ces masques qu'on n'avait pas. Et donc là, c'était assez amusant, puisqu'en tant que cow-boy, il y a le cache-poussière. Donc les cache-poussières, ça peut devenir des masques. Enfin, il y avait plein de petits trucs qui pouvaient être utilisés pour en faire une histoire qui pouvait être un peu décalée. Et puis en même temps, nous faire réfléchir justement aussi sur ce stress qu'on a vécu tous à ce moment-là, en fait. Jerry Alone est totalement à l'ouest, burlesque, fort et fragile à la fois. Un personnage avec qui il faut désormais compter au pays de la BD.